Bonjour monsieur, je voudrais du Valium, le truc avec le shit là. Oui, vous avez une ordonnance? Ouais, c'est ça. Ça c'est une ordonnance, hein? C'est ça. Et où le papier du médecin? C'est ça. Oui, d'accord. Bonjour monsieur le pharmacien, avec deux S, pharmacien. Ah, j'ai oublié, enfin il a oublié un S. Bonjour monsieur, J'ai un bouton qui s'infecte au niveau du bras, je sais pas si c'est normal, je vous laisse regarder. Ah, mais comment que je suis en train de manger? Dis-toi pas! Mais ça risque pas de s'infecter encore plus? Mais j'en sais rien, je suis pharmacien, moi je suis pas médecin, je connais rien, mais tu... Cache-toi! Oui, alors je vais vous prendre des corticoïdes, s'il vous plaît. Et vous avez une ordonnance? Non, j'ai pas d'ordonnance. Ah non, c'est pas possible sans ordonnance, monsieur. Mais pourquoi? Y'a que ça qui me soulage? Non, monsieur, c'est comme ça, c'est la déontologie, c'est comme ça, vous le savez bien. Mais je vous l'achète 100 euros s'il faut. Et vous payez par carte ou en espèces? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis tombé juste devant là, je sais pas ce qu'il y a, mais ça glisse. Oui. Je voulais vous prévenir parce que c'est super dangereux. Oui, on sait, oui, c'est nous. Comment ça, vous savez? Ouais, ça dit, on... c'est nous quoi. On met de l'eau, du savon, les gens ils se cassent un truc, on vend des médicaments. Il faudrait du Valium, il est pas bien, s'il te plaît, frère? Je suis pas bien du tout. Et c'est quoi cette ordonnance? Il y a même pas la posologie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Pas la posologie? Oui, la posologie. Ça c'est pour poser ça. Non, c'est le nombre de prises du médicament. Ah, il est limité. Vraiment, il a dit plaisir quoi. Ben c'est malhonnête. Non, c'est du business, monsieur. Vous avez quoi, là? Une entorse? Allez, on nous fera une pommade anti-douleur à 54,82€, monsieur. Et sinon, vous faites quoi ce soir? Pour? Ben, je sais pas, prendre un verre, se voir. Non, mais attendez, vous venez de me demander une crème pour les mycoses, et après, vous me proposez un date? Non, mais vous êtes à la pointe du romantisme, vous. Non, mais demandez-moi du lubrifiant et des capotes, comme ça, moi, je connais le planning de la soirée. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai très mal à la gorge depuis quelques jours. Ah, malheureusement, j'ai plus rien contre la gorge en ce moment. Je serai livré la semaine prochaine. Attendez, je vous laisse pas. Voilà, prenez ça. Mais c'est de la crème pour les articulations, ça? Oui. J'ai mal à la gorge? Oui, c'est la technique dite de la décentralisation. C'est-à-dire que vous cognez, hein, férocement le genou contre un objet de type solide, hein, et la douleur générée au genou fait, dans le meilleur des cas, oublier la douleur générée à la gorge. Et dans le pire des cas, vous avez mal aux deux. Carte vitale. La raison, c'était déplacé, désolé. Un peu, oui. Du double XL, vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Oui. C'est une black card, ça. Voilà, moi je finis à 19h30 et on peut se retrouver au café d'en face, le café La France. D'accord. Bon. Vous avez votre carte vitale, un moyen de paiement? Il a mis un mot. Il a mis un mot? Voilà. PS, fais-le gratuit, fais pas ton chien, frère. Voilà, c'est ça qu'il a dit qu'il fallait faire. Tu t'en vas que tu es en train de manger? Tu t'en vas? Tu t'en vas que tu es en train de manger? Non, pas encore. Tu vas aller où tu es en train de manger? Tu t'en vas que tu es en train de... Faites gaffe parce qu'il reste plus beaucoup de sandwich. Tu t'en vas que tu es en train de manger? Non! Tu vas pas que j'ai envie de manger? C'est excellent!